J'ajoute que Jean-Christophe Bisson tient à s'excuser et il l'a fait sur Twitter pour ses propos qui auraient pu donner à penser euh, qu'il mettait en doute le fait que Malouk Oussekine était mort à la suite d'une intervention policière. Ce préambule étant fait et je pense que c'est important de le faire et puis ça nous rappelle que c'est pas toujours évident euh, d'être euh, précis sur des sujets sensibles et compris, et, et compris lorsqu'on est à la radio.